Bonjour, madame. Bonjour. Voulez-vous dire combien je suis peiné pour Monsieur Eichhorn? C'était un homme estimé, pour nous un merveilleux patron. Merci. Quand vous verrez la maison, plongez la mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci d'être venu. Oh, Mary Ann, c'est fantastique. Je crois aussi que c'est réussi. Oh, oui, c'est merveilleux. Je suis débordée par les demandes de cartes de crédit. S'il vous plaît, appelez le restaurant, le bistrot. Non, non, non. L'autre, plutôt, ma maison. Réservez une table pour déjeuner qu'ils mettent au frais une bouteille de Dom Pérignon. Oh, que c'est gentil. Non, commandez plutôt un Magnum. C'est une inauguration à fêter. Oh. Réservez une table pour trois. Vous savez où ils sont? Valentine est dans son atelier et M. Elliot est avec Maggie McGregor. Ah. Mary? Oh. Est-ce que Valentine sera là? Non. Non, Marianne, il s'agit d'une divergence artistique.
Entendu. Dites à Billy que je viens aussi. D'accord. La voix de son maître ou de sa maîtresse? Je n'ai pas encore découvert la vérité. Oh, Maggie, tu as une langue de vipère. Ça fait partie de mon métier. Et ces divergences artistiques qu'il y a, paraît-il, entre toi et Val, ce ne serait pas Mélanie? Maggie, tu es une vipère. Oui. Suzy, tu réponds, s'il te plaît? Allô, c'est Valentine. Dites à Billy que je serai ravie de déjeuner avec elle. Mais si Monsieur Elliott doit être là, je serai occupée. À l'automne, tu iras à l'université. Il te faut une nouvelle garde-robe, des jolies choses que tu choisiras toi-même. Et plus de vêtements récupérés. Non, ma tante, je n'ai pas besoin de vêtements. Et je ne veux pas ton argent. Oh, il faut le prendre, chérie. Mais bien sûr, sans en parler aux plus fortunés de la famille. Mais c'est à l'école commerciale qu'ils veulent que j'aille. C'est ridicule. Tu es peut-être pauvre, mais malgré tout, tu es une Winthrop. Tu feras tes études à Wesley. Je ne veux pas aller à Wesley. Je ne veux pas aller à l'université. Oh, ça va peut-être te sembler un peu drôle, ridicule même, mais je voudrais m'en aller à Paris. À Paris? Oui, je pourrais sûrement trouver un emploi de secrétaire là-bas. C'est une ville que j'ai vraiment envie de voir. Oui, ces gâteaux sont délicieux, n'est-ce pas? Malheureusement, ils font grossir. Je sais. Je ne peux pas accepter ton chèque. Non, je ne peux vraiment pas, tant Wilhelmina. Mais pourquoi, mon enfant? Ce sont les seules économies que tu aies mises de côté. Je le sais bien. J'ai tout ce qu'il me faut, tout ce dont j'ai besoin. Prends cet argent, mon petit. Fais-moi plaisir. Profites-en pendant que tu es jeune. Je connais une famille à Paris. Je vais arranger ça pour le mieux. Oh, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Madame de Verdulac, je suis Wilhelmina Winthrop. Entrez, je vous en prie, je vous attendais. Donnez-moi votre valise, voulez-vous? Non, elle n'est pas lourde, je vous remercie. Très bien. Je vais vous montrer votre chambre. Voici votre chambre. Est-ce qu'elle vous plaît? Quoi? Avez-vous faim? Une faim de loup. Bien. Je vais aller préparer le dîner en attendant des faits de vos bagages. Vous êtes une Winthrop, ça se voit. Wilhelmina. Oui, madame. J'ai deux filles qui sont actuellement en pension et cela me fait plaisir de vous avoir ici avec moi.
avez un excellent appétit. Veuillez m'excuser. Non, pourquoi? Pourquoi vous excuser? Oh, Wilhelmina, ne soyez pas intimidée, surtout. Je voudrais que vous vous sentiez à l'aise, comme si vous étiez chez vous. Les passants ne gênent jamais les amoureux à Paris, Wilhelmina. Ce n'est pas ça. Vous savez, la coiffure de cette jeune fille serait parfaite pour vous. Cela vous irait très bien. Les cheveux tirés en arrière. Non, ça ne serait pas aussi bien sur moi. Oh, oh là 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 là. Garçon, apportez-nous deux thés, s'il vous plaît. Pas de sucre. Est-ce que vous dansez? Non. C'est dommage. J'allais à un cours de danse quand j'étais petite, mais je détestais ça parce que j'étais la plus grande de tous, même les garçons. Je ne parle pas de danse classique, mais plutôt de moderne. Ah oui, c'est excellent pour les muscles. Ça les renforce, excellent pour la colonne vertébrale, pour avoir une belle démarche et avoir un beau maintien pour porter la toilette. Mes robes ne font jamais bien sur moi. On trouvera un moyen pour remédier à ça. Édouard! Tante Liliane. Excusez-moi. Tante Liliane, quelle bonne surprise. Oh, je suis content. Comment vas-tu? Très, très bien. Tu es très belle, très en forme. Merci. Je vous présente mon neveu, comte Édouard de la Côte de Grâce, Wilhelmina Winthrop, qui habite chez moi en ce moment. Enchanté. Viens, viens t'asseoir ici. Prends un verre avec nous. Oh, je suis désolé, tante Liliane, je n'ai pas le temps. Je suis attendu au conseil d'administration du Jockey Club. Ah, d'accord, je comprends. Vas-y. Je te téléphonerai plus tard. Ah, promis. Mademoiselle. Wilhelmina, il y a une petite boutique juste au coin de la rue, avenue Victor Hugo, et qui a en vitrine des ensembles charmants. Pourquoi n'iriez-vous pas acheter un petit coup d'œil? Non. Juste essayer quelques modèles. Oh, excusez-moi, madame. Je ne veux pas aller dans un magasin et me trouver devant un miroir avec des vêtements sous le dos qui ne m'iront pas. N'insistez pas. Je vous en prie, madame. Très bien. Alors buvez votre thé. D'accord. Wilhelmina, regardez. Je suis allée à la petite boutique de robes me faire prêter ceci pour que vous l'essayiez quand vous serez toute seule. Si elle ne vous plaît pas, on l'échangera contre une autre robe ou on pourra même la rendre. Le foulard est à moi. Et dis-moi, comment va ton père? Oh, elle est ravissante. Oui, en effet. Ah,
Édouard n'est pas toujours habillé de cette façon à cette heure-ci. Mais aujourd'hui, il doit être introduit comme membre au Jockey Club. Et dans la partie d'initiation, je dois boire une bouteille entière de champagne à moi tout seul. Mais je suis venu demander à Mademoiselle Winthrop de m'y accompagner, tante Liliane. Avec ta permission, bien sûr. Accordé. Est-ce que vous me ferez cet honneur, Wilhelmina? Moi? L'initiation est un acte tellement solennel, tellement intimidant, que j'aurais besoin à tout prix d'un grand soutien moral qui me réconforte sur place. Je vous en prie. Quelle séance! Une vraie performance! Ah, très très bien, dirais. Merci. Ah oui, oui, bravo. Oui, je l'ai entièrement réglé. Quoi? La tête ne vous tourne pas? Non, mon cher. Sortie avec Édouard ces dernières semaines et j'avoue que j'en suis vraiment ravie. Justement, cet après-midi, il va venir me chercher après déjeuner pour m'emmener chez ses parents à la campagne. Vous êtes d'accord? Oh, bien sûr. Édouard est un homme sérieux. Et s'il vous amène dans la propriété de ses parents, c'est qu'il a certainement dû leur parler de vous et de lui avant. Il a dû quoi? Édouard appartient à la noblesse. Et pour lui, sa famille compte beaucoup. Et il doit avant tout leur demander leur avis. Leur avis? Mais pourquoi? Oh, vous n'êtes pas au courant? Oh, il vaut mieux avoir la surprise. Madame, est-ce que vous voulez parler de mariage entre Édouard et moi? Une robe de mariée, je crois, vous sera bientôt indispensable. Vous savez, il y a longtemps que je voulais vous montrer cette propriété, depuis le jour de notre rencontre. Tout ceci est notre héritage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous? Votre père. Vous croyez qu'il m'acceptera? Sans aucun doute, s'il était encore vivant. Édouard, est-ce que vous me demandez de vous épouser? Non. Si je vous le demandais, vous pourriez refuser. C'est pourquoi je ne vous le demande pas, je vous supplie de m'épouser. Je vous aime. Thank you.
chérie, c'est vraiment du vandalisme. Qu'est-ce que tu fais? Tout à fait à propos, vandalisme. Un ancêtre de la famille s'est battu contre des vandales et les a chassés de la Gaule il y a 15 siècles. Lui a combattu les vandales, c'est vrai, mais moi, à mon tour, j'en deviens un. Ne te fais pas de soucis pour une chaise cassée ou pour quoi que ce soit ici. À présent, nous pourrons tout racheter avec notre argent. Notre argent? Oui. Quand nous serons mariés, ta fortune sera à nous deux. Madame la comtesse. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je n'ai pas de fortune. Ta famille. Tu es une Winthrop. La plus pauvre de tous. Edward, c'est pour ça que tu voulais m'épouser? Parce que tu pensais que j'avais de l'argent? Je pensais que tu comprendrais la situation d'une famille noble ruinée. Maintenant, je comprends. Ramenez-moi, je vous prie. Je crois avoir assez pour payer l'essence. Vous n'êtes pas obligée de partir, Billy. Je ne peux plus rester ici, madame. Oh, c'est ma faute. J'avais mal compris. Edward aussi. Oh, mais il a des circonstances atténuantes. Billy, il faut que vous compreniez qu'en France, un aristocrate sans aucune fortune doit épouser une fortune. C'est presque une obligation qu'il a envers ses parents et envers lui-même pour l'avenir de sa famille. Oh, c'est la seule façon de garder ses terres. Retournerez-vous à Boston? Non, j'irai à New York pour m'inscrire dans une école commerciale. La branche riche de la famille Winthrop trouvera cette solution très raisonnable pour une fille pauvre. Je dois l'être en effet, car il me reste très peu d'argent. Mais je vous assure qu'il était réellement très amoureux de vous. Et jusqu'à un certain point. Mais moi, j'étais vraiment amoureuse de lui. La prochaine fois que je tomberai amoureuse, ce sera jusqu'à un certain point. Oh. Oh, je suis si malheureuse. Oh non, ma chérie, non. Oh non, ne pleurez pas comme ça. Salut, je viens pour le verre promis. Vous avez encore assez de force pour soulever un verre? Pardon? Oh, ça c'était du travail. Je suis photographe. Je l'avais plus ou moins deviné. C'est vrai? Toutes ces belles filles qui n'arrêtent pas de défiler chez vous, un photographe ou un entremetteur? Un entremetteur? Pour entremettre quoi? Des pin-up, pardi. Oh. Je vais chercher les verres. Bien. Vous êtes doué pour ça? Formidable. Je parlais de la photographie. Oh, ça, oui, je mérite mieux que le travail qu'on me donne. Là, laissez-moi l'ouvrir. Ouais. Vous avez un tiers-chose? Un quoi? Un tiers-chose. Ah, oui. Tenez ici. Merci. Pourquoi certaines personnes vous appellent Michel et d'autres Spider? Eh bien, c'est parce que Michel est mon vrai nom et Spider est mon surnom. Oh. À cause de la bande dessinée Spider le surhomme. Mais comment êtes-vous au courant de tout ce qui me concerne? Eh bien, parce que votre courrier a été mélangé deux fois au mien. C'est pourquoi vous l'avez trouvé deux fois de suite sous votre porte. Ah. Et lire le courrier des voisins est votre amusement favori?
Il est tout à fait permis, sans aucune indiscrétion, de lire tout ce qui est écrit sur une enveloppe ou sur une carte. Mon père était postier, il me l'a dit. Cela faisait partie de son travail. C'était en France, je suppose. C'est ce qui explique les Gauloises. Eh oui. En fait, je ne fais que les allumer. Et je les laisse brûler toutes seules. C'est pour essayer de compenser le mal du pays. Et ma solitude. Bien. Je ne crois pas que vous restiez seul bien longtemps. Est-ce que vous flirtez avec moi? Flirter? Moi? Oh. Oui. Bon. Passons au salon, s'il vous plaît. Vous, vous savez ce que je fais, mais moi, je ne connais pas votre activité. Vous avez un peu trop de personnalité pour être mannequin. Vous avez toujours un porte-document. Vous n'avez pas un emploi régulier et vous vous levez trop tôt pour vivre de vos rentes. Et pourtant, vous devez avoir de l'argent pour être toujours habillé si élégamment. Des créations originales. De Valentine O'Neill en personne. Ah, vous êtes modéliste. Oh, c'est fantastique. Oui, je mérite mieux que les travaux qu'on ne me donne pas. Dites-moi, et si vous me parliez un peu de vous, de votre famille? Ma mère était essayeuse chez Pierre Balmain et moi à l'atelier de couture. Elle est morte l'année dernière. Les Américains, pour la mode, sont très influencés par les Français, alors je suis venu ici. Voilà. Vous avez apporté deux bouteilles de vin. Est-ce que c'est en pensant à moi que vous avez acheté? Vous êtes mon seul voisin. Est-ce que vous flirtez avec moi? Certainement pas. Oh, simple renseignement. Ce serait même un miracle si nous devenions seulement amis. Je vais boire à ça. Aujourd'hui, il me semble que c'est le jour des miracles. Ah oui. Cheerio. Santé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Heureuse de vous voir de retour du Japon, monsieur Aikar. Merci, Myriam. Je suis heureux, moi aussi, d'être là. Le voyage a été agréable? Oui, surtout pour les affaires. Et le vol, pas trop fatigant? Oh, j'ai dormi sans arrêt. Ah, permettez-moi de vous présenter ma nouvelle secrétaire, monsieur. Billy Winthrop. Très heureuse. Winthrop? De Boston? Ah oui. Êtes-vous parente avec le docteur... Ozia. Ozia Winthrop? C'était mon père. Vraiment? Notre fondation médicale subventionnait ses recherches. Il était très dévoué. Oui, en effet, monsieur. Et vous? Oui. Bien. La vente de la ligne aérienne a été agréée par le Bureau national de l'aviation et par la commission commerciale. Et les propositions d'achat d'actions pour la Banque de Lisbonne et pour le Royal Mining & Company ont été faites, selon vos indications. C'est à peu près tout. Vous êtes vraiment très jeune, je trouve. Et la petite Winthrop? Ça ne l'empêche pas d'être très compétente. Elle a passé l'examen d'entrée du personnel brillamment, je dois dire. Et en plus, elle est très jolie, vous ne trouvez pas? Trop, peut-être. Est-ce que vous préférez que je trouve quelqu'un d'autre pour la remplacer? Non, non, bien sûr que non. Je ne pense pas être obligé de voyager dans un avenir immédiat, Marianne, ce qui signifie qu'il y aura davantage de travail ici. Il vous faudra plus d'une secrétaire. Mieux vaut en engager trois pour plus de sûreté. Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que les deux autres soient jolies aussi? Pas du tout. Une belle fille est toujours agréable à regarder. Combattons le danger par la quantité. Je vous demande pardon. Je m'en occupe tout de suite. Mais tu comprends, à chaque fois que je mets le pied dans une maison, quelqu'un me fiche dehors. Oui, mais... Alors, écoute, ne me dis pas que je ne dois pas me décourager. Tu dois te décourager parce que la bataille est perdue d'avance.
Voilà maintenant que mon meilleur ami se tourne contre moi. Merci, merci beaucoup, vraiment. Veux-tu te calmer, s'il te plaît? Cette Gauloise, je vais me la fumer. Et tu ne t'y prends pas de la bonne façon, parce que tu es persuadé qu'ils vont t'engager à cause de tes dessins. Oui, parfaitement. Et tes dessins. Allez, dis-le. Eh bien, franchement, tes dessins leur font peur. Non, ils ont une grande personnalité, je les trouve sensationnels. Mais tu ne peux pas imposer tes idées de force aux autres personnes, aussi brillantes soient-elles. Alors, qu'est-ce que je dois faire, à ton avis? Si je trouve pas du travail bientôt, on va crever de faim. Rendez-vous sous peu avec Harriet Toppingham. C'est la toute puissante patronne de la revue Mode des Maisons. Quand? Elle est allée à Paris voir les nouvelles collections, mais dès son retour, je la verrai. Tu te fais beaucoup d'illusions. Ta situation n'est pas tellement meilleure que la mienne, admets-le. Non, c'est faux, parce qu'elle a vu les photos que j'ai faites de la fille que l'agence m'a envoyée. Mélanie Adams. Je sais enfin comment elle s'appelle. Mélanie Adams. Elliot, je t'ai invité à dîner pour te parler de mon travail, et non pas de tes sacrées conquêtes. Écoute, laisse tomber tes idées personnelles sur la manière dont les femmes devraient s'habiller et regarde ce qu'elles portent. Tu voudrais peut-être que je les imite? Tu as des idées ridicules et vulgaires. Allez, va-t'en, fiche le camp. Arrête de débloquer et écoute-moi. Regarde comment les femmes sont habillées et puis ensuite, crée des modèles qui leur seront supérieurs mais pas trop différents. Les gens détestent le changement et ils aiment leurs habitudes, tu le sais bien. Tu es peut-être doué pour satisfaire le corps d'une femme, Elliot, mais ne prétends pas savoir satisfaire son esprit. Est-ce que tu vas finir le coco vin? Non. Je dois travailler. Il ne fait plus assez clair ici. Non, mais qu'est-ce qu'il prend? J'ai horreur de ces manières. C'était juste une petite passe d'armes amicale pour m'entraîner. Comment trouvez-vous mes dessins? Oh, je pense qu'ils sont excellents. Ah oui? Ouais. Ils sont originaux, mais pas trop. Exactement ce qu'il faut pour le marché actuel. L'ennui, c'est que mon modéliste a un assistant avec lequel il travaille depuis des années. Ben, je ne dirige pas cette entreprise pour faire plaisir aux gens. L'assistant devra s'en aller. Quand pouvez-vous débuter? Oh, demain, monsieur. Ben, disons plutôt lundi matin, mon modéliste aura besoin de quelques jours pour s'y faire. Je suis très heureux de votre entrée chez Wilton et compagnie, mademoiselle. Oh, moi aussi, monsieur Wilton. Vous avez beaucoup de talent. Et vous êtes très jolie. Ce sera un plaisir de vous avoir parmi nous. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, lundi matin. Oui, oui. À l'heure, hein? Madame Evans est grippée, monsieur. Son docteur veut qu'elle garde la chambre. Oui, oui, monsieur, j'arrive. Son moment pour être malade. Il y a une réunion importante avec la représentante des filiales brésiliennes. Marianne parle couramment portugais. Il était absolument indispensable qu'elle soit là. Allez voir dans les dossiers du personnel si quelqu'un peut la remplacer. Je l'ai déjà fait, monsieur, sans résultat. Ah, bon sang. Mais j'ai lu tout le rapport concernant cette affaire. Et j'ai remarqué un certain passage qui mentionnait que le docteur Veruno et le seigneur de la Maya avaient fait des études à Madrid. Et je parle assez bien l'espagnol. Ne me croyez-vous pas compétente, monsieur? Nous verrons ça. Où devons-nous aller? En Californie. J'ai une propriété à La Yola. Vous aurez suffisamment de temps là-bas pour acheter ce dont vous aurez besoin. Bien, monsieur. Appelez Hank.
Je vous dois des excuses, je pense. Non. Le docteur Véronneau était tellement sous l'emprise de votre charme qu'il a fini par en oublier ses intérêts. Était-ce désirable ou indésirable? Peu importe. C'est vous qui exerciez un contrôle absolu sur le marché de la désirabilité, mademoiselle Winthrop. Vous pouvez m'appeler Billy, monsieur. Faites vos bagages. Le pilote veut décoller vers 3 heures. Il craint qu'il y ait de l'orage. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je descends tout de suite. Des problèmes mécaniques. Un ennui dans l'arrivée d'essence. Hank espère pouvoir partir demain matin. Oh. Je suis désolé. Pas moi. Il y a une bibliothèque avec de très bons livres. Je préférerais me promener sur la plage. Ça ne vous ennuie pas si je vous accompagne? Non, c'est votre plage. C'est votre espace. Vous n'avez pas d'enfants? Non. Ma femme se consacrait à l'élevage des chiens de race et elle s'en tirait très bien. Ces 10 dernières années, depuis qu'elle est morte, j'ai peur de ne pas avoir fait grand-chose à part des affaires. Jamais de bon temps? Aujourd'hui, j'ai pris du bon temps, je l'avoue. C'est une remarque qui me fait plaisir. Ah, voilà la pluie. Oui. Si quelqu'un vous affirme qu'il ne pleut jamais en Californie, ne le croyez pas. Quand désirez-vous dîner? Eh bien, voulez-vous m'accorder 1 heure pour me refaire une beauté? Je crois qu'il sera difficile de vous rendre plus jolie. Alors, je me suis inscrite dans une école commerciale où j'ai travaillé avec application régulièrement. Savez-vous qu'ils nous ont fait passer toute une semaine à nous enseigner ce qu'était un résumé? Je crains vraiment de vous ennuyer avec mes histoires. Je ne crois pas que vous m'ennuierez jamais, Billy. Nous allons libérer Joseph. Ce sera tout, Joseph. Merci. Je peux vous poser une question? Depuis 3 jours, j'appelle votre maître d'hôtel Joseph. Dites-moi, quel est son vrai nom? C'est son vrai nom. Joseph? C'est vrai? C'est pourquoi je l'ai engagé. Et je vais vous dire autre chose. J'ai une maison en Floride gardée par un chien qui s'appelle Fidèle. Non. Si. Vous devez sûrement être fatigué. Un peu, oui, c'est vrai. Oh, je peux le faire. C'est une chose dont j'ai toujours eu envie. Bien sûr, allez-y. Oui, c'est ça. Doucement, tout doucement. Permettez? Journée Billy, merveilleuse. Je voudrais vous... Merci. Thank you.
Je vous aime. L'image du père. Taisez-vous. C'est la vérité. Vous êtes méchant. Je t'adore. Je t'aime. Et je veux rester ta maîtresse. Merci. Mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je veux que tu m'épouses. T'épouser? Oh mon Dieu. Est-ce que ça veut dire oui ou non? Eh bien... Alice. Oui. Oui. À quelle heure partirons-nous demain? Quand ça te plaira. Alice, tu sais que tu es un séducteur. Et toi, tu es ravissante. Bien, oui, j'aime beaucoup. Regarde en face dans l'appareil. C'est ça, parfait. Très bien. Oui, bien. Regarde l'appareil. De ce côté, de ce côté. C'est ça, c'est ce que je voulais. Pointe le projecteur sur elle. Benny, règle la lumière. Je veux une photo de face, tu vois? Oui, oui, j'adore ça. J'adore que tout le monde m'admire. Tu pourrais te reposer un peu le temps qu'on règle les éclairages? Ah, oh, non, 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 ne touche pas mes cheveux. Va te reposer. D'accord, d'accord. Spider? Oui. Des problèmes? Oh non, non, non. Un peu fatigué, on a beaucoup travaillé. Elle ira mieux dans un instant. Elle est réellement jolie, d'une beauté inquiétante, cruelle, décidée à tout, semble-t-il. Vous parlez d'elle comme du personnage de Bonnie and Clyde. Elle est votre petite amie? J'ai entendu dire que vous étiez un coureur de jupons, un champion, paraît-il. Il s'agit de rumeurs ou de faits? De faits. Et à propos de Mélanie? De rumeurs. Curieux. Voulez-vous m'excuser un instant? Je vais aller la voir. Hey! Qui t'a donné ça? Mademoiselle Topinhan, pour avoir du tonus. La vodka, c'était mon idée. Oui, et de qui était l'idée de te suicider avec ces saletés? Allez, rhabille-toi, je te ramène chez toi, on finira la séance demain. Oh non, non, Spider, attends. Je ne veux pas être seule, je veux rester ici. D'accord. D'accord, on arrête. Terminé, tout le monde? On se retrouve tous à 8h demain matin, d'accord? Alors, bien. Ah oui? Ah oui, merci. Merci, je vous remercie beaucoup. Oui, bien sûr, je vais lui dire. Mais comptez sur moi. Je vais lui dire que son travail vous plaît beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était John Prince. Le John Prince, des fameux modèles. Il m'a comblé d'éloges pour nos nouveaux styles. Je crois bien qu'il voudrait vous voler à moi, mais je lui ai dit que vous étiez un modèle unique de chez Wilton. Ah, merci. Dînez avec moi ce soir, Valentine. Je vous en prie, ne dites pas non. Venez d'abord chez moi prendre un verre. Je crois que mon intérieur a un certain charme. J'aimerais bien, Alain, mais j'ai promis à un ami de lui faire la cuisine. Ah, une autre fois. Un soir, vous me direz peut-être oui.
Jonathan, quelque chose ne va pas? Si, si, tout va bien. Je suis juste venu faire l'examen médical périodique de votre mari. Et il va bien? Si Ellis Alcorn avait 40 ans, on dirait qu'il a une bonne santé. Mais à son âge, c'est un phénomène. Oh, c'est merveilleux. À bientôt. D'accord, au revoir. Prenez le chemin. Merci. Le docteur Dorman dit que tu es un phénomène. Mais comme une étoile filante, brillante un certain temps, puis elle disparaît tout à coup. Ne dis pas ça. Les années passent. Ellis, ne partons pas. Annulons ce voyage pour rester ensemble dans notre appartement. Et décevoir tout Paris, y compris ton amie, Madame de Verdulac. Oui. Je t'en prie. Pour moi. D'accord. Je ne voudrais pas vivre sans toi, chérie. Que tu le veuilles ou non, il faudra que tu t'y fasses, un jour ou l'autre. Voyons. Tu aimerais mieux me voir là-haut, assis sur un nuage, à t'applaudir et à t'approuver, plutôt que de me voir pleurer. Billy. Chérie, tu es une femme très riche maintenant. Et après ma mort, tu le seras encore plus. Ça m'est égal. Écoute-moi, Billy. Tu seras courtisé par certains hommes pour de mauvaises raisons. Mais quand le bon se présentera, tu le ressentiras. Instinctivement. Au fond de ton cœur. Dans ton esprit. Et... Je l'ai déjà ressenti. Bien. Alors tu sauras ce que tu cherches. Mais avant de le découvrir, cherche une occupation qui t'amusera et qui t'intéressera et que tu aimeras faire. La seule chose qui m'intéresse, ce sont nos instants d'intimité. La haute couture, peut-être. Tu as de la classe, chérie. Tu sais que j'ai déjà passé un examen. Pas avec moi. Pas aujourd'hui. Séductrice, n'avez-vous aucun scrupule? Pas un seul. Oh, Spider, tu es si gentil avec moi. Serre-moi. J'étais ton petit bébé. J'aimerais être ton petit bébé. Un baiser pour bébé. Tout ce qui reste. Val. Retourne dans ton lit, Elliot. Val, non, elle est malade. Oui, j'ai vu en effet que tu lui faisais du bouche à bouche pour la réanimer. Val, je t'assure qu'il ne s'est rien passé entre Mélanie et moi, c'est vrai. Mais ça ne te déplairait pas. Et après tout, je ne vois pas. Pourquoi tu es contrarié? Je suis contrarié parce que les gens qui m'entourent paraissent tous amoureux, tout le monde à part moi. Et c'est une situation à laquelle je vais remédier. Car je n'ai pas l'intention de faire la cuisine pour ton bébé. Allô?
Alain, vous aviez dit qu'un de ces soirs, je vous dirais oui. Eh bien, c'est ce soir et je dirais oui. À tout, voilà. Je suis désolé, Valentine, vraiment désolé. Ça ne fait rien, là. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave, si. J'aurais bien aimé apprendre, mais je patienterai encore un peu. Oh, pardonnez-moi, je vous en prie. Je veux que le numéro de septembre sorte avec ce visage. Il faut continuer à travailler jusqu'au moment où le magazine sera mis sous presse. Oui, mais il faudra ralentir un peu, parce qu'elle est vraiment exténuée. Spider, ne prenez pas votre rôle de chevalier servant trop au sérieux, mais si vous ne voulez pas terminer le travail, je trouverai quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas, je terminerai. Ouais, mais... Ma femme et moi avons divorcé il y a 5 ans. Est-ce que le dîner vous a plu? Oh oui, merveilleux. Je suis heureux que l'autre soir n'ait pas mis fin à notre amitié, Valentine. Moi aussi, bien sûr. J'ai déjà vu cette femme quelque part. Celle qui a la robe en lamé. Millie Eichhorn et son mari Ellis. Ah, c'est dans un magazine, probablement, que j'ai dû voir sa photographie. Ça m'étonnerait. Eichhorn verse à une agence de relations publiques $250,000 par an pour que leur nom et leurs photos ne paraissent pas dans la presse. Oui. Oh, Ellie! Alain! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Elle est... Cette attaque lui a endommagé le côté gauche du cerveau. Malheureusement, c'est là où se situent les centres nerveux de la parole. Est-ce qu'il sera capable d'écrire s'il le désire? Il retrouve progressivement l'usage de sa main droite. J'aimerais l'emmener en Californie, Jonathan. Nous avons une maison sur la plage à La Jolla. Mais l'humidité, pour lui, est nuisible. Alors j'achèterai une maison à Beverly Hills ou à Bel Air. Nous irons sur la plage quand il ira un peu mieux. Il va se rétablir, n'est-ce pas, Jonathan? Il aura besoin d'un médecin sur place et d'une infirmière. Je vais m'en occuper. C'est une question de mois ou de semaines. Je suis désolé, Billy. Vous avez parfaitement bien choisi, Marian. Merci, Madame Eichhorn. Je vous en prie, appelez-moi Billy, comme lorsque j'étais votre secrétaire. Ce ne serait pas bien maintenant, Madame Eichhorn. Qui est-ce? C'est Jack Cassidy, le nouvel infirmier. Il a débuté ce matin. Il n'a pas l'allure de l'emploi, vous ne trouvez pas? C'est vrai, il a plutôt l'air d'un jeune premier. Il a été chaudement recommandé. Très bien. Chère Jessica, je passe le plus de temps possible auprès d'Ellis. Il aime la lecture à haute voix, surtout des récits historiques ou de philosophie. Et ce qui est étonnant, c'est que ça me plaît aussi. Nous nous promenons tous les jours. Je suis devenue bavarde comme une pie. Je raconte mon enfance à Ellis. J'ai tellement changé que j'ai l'impression d'être devenue une autre personne. Je prends même des leçons de tennis, tu te rends compte? Je ne suis pas très douée, mais l'exercice me fait du bien. Et je crois que ça amuse Ellis. Nous avons trouvé un moyen de communication pour Ellis avec des lettres de l'alphabet.
c'est plus facile pour lui que d'essayer d'écrire. Il forme des mots, soit en français, mais souvent en anglais. Je voudrais passer tout mon temps près de lui. Mais Elise voit les choses différemment. Il peut être très convaincant. Vois le monde extérieur, fais-toi des amis. Je voudrais que mon monde extérieur puisse être partagé avec Elise. Je n'ai certainement pas besoin de toilette, mais mes visites chez les grands couturiers me permettent de faire un défilé de mode pour Elise. Et il fait très attention à tout ce que je rapporte. Hier, Elise m'a écrit un message spécial. Je pense qu'il l'a fait par gentillesse, mais cela m'a quand même donné à réfléchir. Tu as de la classe, petite, ouvre ta propre boutique. Ma vie sociale est pratiquement inexistante, mais c'est un choix, je pense. Oh, bien sûr, je me suis fait quelques amis et Marianne est arrivée par avion pour me faire signer certains papiers. Elle continue à m'appeler Madame Eichhorn. Voilà, chère Jessica, quelle est ma vie depuis ces derniers temps. Avant, ma vie était si merveilleusement remplie que ma solitude est d'autant plus difficile à supporter. Je t'écrirai très bientôt. Je t'embrasse. Permettez-moi de vous aider, Madame Eichhorn. Merci. Comment va Monsieur Eichhorn, Jack? À peu près pareil. Vous êtes très dévoué pour lui, je vous en remercie beaucoup. Mais je voudrais faire quelque chose pour vous. Non, je veux dire, parfois je pense que c'est encore plus dur pour vous que pour lui. Vous devriez vous détendre, et même sortir. Jack. Alors, sans vous offenser, madame, mais... j'aimerais vous inviter à une petite fête. Une petite fête? Oui, quelques amis de l'Ouest d'Hollywood organisent une petite fête samedi soir. Avec des costumes, un bal, un buffet, alors je pensais... Je vous remercie pour l'invitation, Jack, mais je ne pense pas y aller. Voulez-vous porter ça dans la maison, s'il vous plaît? Oui, madame. Mais si vous changez d'avis, faites-moi signe. Hein? Merci. Bonjour. Je vais finir par ouvrir cette boutique. J'ai couru tous les magasins cet après-midi. Regarde, voilà tout ce que j'ai trouvé à me mettre. Mais je ne veux pas que tu penses que je suis sortie pour rien. Peut-être que ça va te plaire. Ne regarde pas tout. S'il vous plaît. Merci. Bonjour, venez. Spider, félicitations. Votre première exposition, je pense. Une seule photo, mais c'est un début. Félicitations à vous aussi, Mélanie, qui avait rendu cela possible. Spider, laissez-moi un instant, Mélanie. Je voudrais la présenter à plusieurs personnes qu'elle doit connaître. Allez parler à quelques-unes de vos anciennes conquêtes. Vous aurez de quoi bavarder pendant un bon moment. Je serai très bien avec Harriet Spider. D'accord. Vous croyez qu'il est en colère? Je n'en ai rien à faire. Je croyais que c'était le grand amour entre vous. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Mais vous vivez ensemble. Oh non, pas du tout. Je suis séquestrée dans son atelier comme une nonne dans un couvent. Je m'ennuie à mourir, même pas le droit de boire. J'ai honte que vous pensiez qu'il y a quelque chose entre nous. Si
vous le croyez, alors tout le monde le croit aussi. Rassurez-vous, ma petite. Rassurez-vous, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai jamais cru. Française. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Monsieur la vertu m'interdit quelque chose à moi. Après ce qui s'est passé entre nous deux, mais t'es tombé sur la tête. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais tomber amoureux d'une femme. Tout ça, c'est du passé. Tu crois? Est-ce le fond de ta pensée, Alain? Alors regarde-moi et dis-moi que c'est fini. Tu ne diras rien. Tu en es incapable parce que tu tiens à moi. Est-ce vrai, Alain? Oui. Hé, hey, Val! Non! Non, va-t'en, Elliot! De la soupe à la tomate ici. J'ai de la crème fraîche. Et j'ai même des crackers. De la crème dans la soupe de tomate, c'est un régal. Allons. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu ne peux pas garder ton chagrin pour toi toute seule, voyons. N'en parlons plus. D'accord. Oh, Elliot, comment c'est possible que nous deux, on soit si malins à propos de tant de choses, si terriblement stupides pour d'autres? Je ne sais pas. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Oui, on est copains, n'est-ce pas? On n'est pas des amoureux qui ont tous des problèmes idiots et à qui il arrive des ennuis pas possibles. On est copains, Elliot. Copains pour toujours. Pourquoi est-ce que tu l'as amené ici? Oh, ça lui fera du bien. Et à toi, Jack, ça te fera du bien aussi. Mmh.
Quelqu'un a dû mettre quelque chose dans mon verre. Anna Mycorn, je suis vraiment désolé. Est-ce que vous voulez qu'on aille prendre un café? Non, ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît, Jack. Mais vous avez oublié votre cape? Ramenez-moi chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, c'est une propriété privée. J'habite ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une pièce d'identité, madame. Monsieur l'agent, c'est madame Mycorn. Ellis! Est-ce que c'est Ellis, Marianne? Il y a une heure, il est mort sans souffrir. Oh, mon Dieu! Ellis! Thank you.
Merci d'être venu. Oh, mais rien de plus fantastique. Oh. Je crois aussi que c'est réussi. Oh, oui, c'est merveilleux. Je suis débordée par les demandes de cartes de crédit. S'il vous plaît, appelez le restaurant, le bistrot. Non, 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 l'autre plutôt, ma maison. Réservez une table pour déjeuner qu'ils mettent au frais une bouteille de Dom Pérignon. Oh, que c'est gentil. Non, commandez plutôt un magnum. C'est une inauguration à fêter. Oh. Réservez une table pour trois. Vous savez où ils sont? Valentine est dans son atelier et Monsieur Elliot est avec Maggie McGregor. Ah. Oui? Non. Oh. Est-ce que Valentine sera là? Non, non, Marianne, il s'agit d'une divergence artistique. Entendu. Dites à Billy que je viens aussi. D'accord. La voix de son maître ou de sa maîtresse? Je n'ai pas encore découvert la vérité. Oh, Maggie, tu as une langue de vipère. Ça fait partie de mon métier. Et ces divergences artistiques qu'il y a, paraît-il, entre toi et Val, je ne serai pas Mélanie. Maggie, tu es une vipère. Oui. Suzy, tu réponds? Bonjour, madame. Bonjour. Voulez-vous dire combien je suis peiné pour M. Eichhorn? C'était un homme estimé, pour nous, un merveilleux patron. Merci. Quand vous verrez la maison, plongez la mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Allô, c'est Valentine. Dites à Billy que je serai ravie de déjeuner avec elle. Mais si Monsieur Elliot doit être là, je serai occupée. À l'automne, tu iras à l'université. Il te faut une nouvelle garde-robe, des jolies choses que tu choisiras toi-même. Et plus de vêtements récupérés. Non, ma tante, je n'ai pas besoin.